Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une vidéo de nourriture, mais est-ce que ce n'est pas nos préférés? Je pense aussi. Bon, du coup, je viens de me réveiller. Je pense que ça se voit à ma tête et à mes petits yeux. Mais aujourd'hui, nous allons manger tout ce que je veux. En tout cas, on va pas se prendre la tête aujourd'hui. Je vais manger pareil ce que je veux. Et ce matin, je vais commencer par un gâteau. Alors, en fait, j'ai fait un gâteau hier qui m'a l'air mais tellement bon et je ne l'ai pas mangé en fait. Et là, ce matin, je me suis réveillée et j'ai juste une envie de prendre ce gâteau que j'ai fait. Du coup, bah, je mange ce que je veux en soi. Donc, je vais manger cette part de gâteau. Franchement, ça me donne trop envie avec un petit café latte. Et de toute façon, vous allez voir tout au long de la vidéo que je vais commander quelques petits trucs. J'ai déjà des petites idées et ça va être plutôt très bon, je pense. Ah oui, rappel, si tu ne me suis pas sur Instagram, ça se passe juste ici. Et si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Emma. Je présente sur ma chaîne un peu de voyage, pas mal de sport et surtout beaucoup de food. Alors, si tu souhaites vivre cette aventure avec moi, n'oublie pas de t'abonner. Trêve de bavardage, je te laisse avec la suite de la vidéo. Let's go! Voici le gâteau fait maison. J'ai mis du beurre de cacahuète. De toute façon, c'est une recette que j'ai faite dans une vidéo. C'était, je crois, un What I Eat in a Day. Je vous le mettrai juste en haut. Mais franchement, il y a du beurre de cacahuète, il y a du chocolat. Il y a un aliment un petit peu spécial, mais qu'on ne sent pas du tout. Et bref, franchement, c'est un de mes gâteaux préférés. Donc si vous voulez la recette, vous savez où elle se trouve. Goûtons. Je l'ai fait un tout petit peu réchauffer. Et franchement, avec mon petit café latte. En tout cas, j'ai trop hâte d'être ce midi. Parce que je vais tester une enseigne que je n'ai pas, enfin que je ne connais pas du tout. Et ça m'a l'air vraiment très très bon. Donc, j'ai hâte de ce qui va se passer dans la suite de la vidéo. Petite pause dans cette vidéo pour te présenter mon fameux e-book dans lequel tu peux retrouver 30 recettes, 30 citations ainsi que 30 bonus. Tu n'as jusqu'à cliquer sur le lien et voici mon petit site internet. Le e-book est au prix de 12 €. Tu n'as plus qu'à payer sur PayPal pour recevoir ton e-book et indique-moi évidemment ton mail afin que je puisse bien te l'envoyer. Enfin bref, je te laisse avec la suite de la vidéo. Pour le midi, on est allé dans un restaurant qui fait des plats vegan. Malheureusement, ce jour-là, il y avait un problème de cuisine, du coup, il n'y avait pas de cuisinier. Ce qui est un petit peu embêtant dans un restaurant, mais du coup, j'ai quand même pris un avocado toast qui était bon. Et j'ai aussi goûté un sorte de pokéball avec du houmous et pour le coup c'était bien meilleur, un peu plus original. Il est un peu plus tard dans la journée et je me suis préparée pour sortir parce que il fait très beau et j'ai envie tout simplement de sortir et je sais pas, j'ai envie de me prendre une sorte de boisson, café latte ou matcha, franchement je sais pas. Donc je vais aller me promener dans Paris. Et on verra bien s'il y a quelque chose qui me tente. Je vais aller un petit peu au feeling parce que je connais pas trop non plus tous les endroits où il y a des cafés sympas. Mais c'est l'occasion de découvrir où je vais aller voir la petite tour Eiffel. Et bah voilà, je vais vous emmener avec moi. Bon, c'est pas tout, mais il est l'heure de dîner. Je commence à avoir faim et j'ai trouvé ceci.
dans mon tiroir. Ça m'a clairement donné envie de manger des sushis. Voilà. Donc, je vais faire ma petite sélection. J'avoue, c'est la première fois que je vais tester celui-là parce que d'habitude, on en avait un près de chez nous. Mais il était vraiment excellent et en fait, il a fermé. Mais genre vraiment fermé définitivement. Et il y a un autre qui a remplacé, mais ils font pas du tout de sushis. Du coup, j'ai plus mon sushi que j'aime de base. Du coup, je suis en quête de rechercher le meilleur sushi à côté de chez moi. Mais déjà, ils ont ce que j'aime. Le meilleur, c'est les California Krusty Avocat Cheese. Ça, c'est la meilleure des choses. Il y a trop de choix là. Il y a des Pokéballs, mais j'ai pas envie de Pokéballs. Ok, j'ai fait mon choix. Je vais les appeler. Comme ça, ils vont préparer ma commande. Je vais vite fait me changer pour aller le chercher. C'est pas très très loin. Et ben, on se retrouve dès que j'aurai la commande. Je suis enfin rentrée chez moi avec la commande. J'ai trop faim. Mais déjà, je me suis changée, je me suis mise en pyjama parce que je ne peux pas manger sans être en pyjama. Voilà, règle numéro 1. Règle numéro 2, toujours bien s'installer, mettre un bon film ou une bonne série. Et en l'occurrence, je regarde Good Doctor. C'est un peu cliché, mais j'aime beaucoup. Je suis à la dernière saison en plus. Donc voilà. Bon, voyons voir ce qu'on a quand même parce que le but est de manger. Alors, ça... J'ai pris ici, vous allez voir tout de suite, je sais que je crois que je suis la seule à prendre ça, mais je kiffe trop en prendre. C'est des edamame. Oups. C'est des edamame, en gros c'est des fèves de soja à l'intérieur qu'il faut éclater. Hop et... J'aime trop ça. Je crois que je suis la seule à aimer ça, mais... C'est pas que je suis la seule à aimer ça, c'est je crois que je suis la seule à commander ça. Enfin, il y a les California Krusty Avocat Cheese. Il y en a qui sont un peu difformes, mais bon, on va pas leur en vouloir. Déjà, c'est le goût qui compte. On ne va pas juger à l'apparence quelqu'un. Toujours avoir cette citation dans la tête. Et, chose très importante, on enlève le wasabi, c'est une atrocité, il ne faut pas consommer ça. Et on enlève le gingembre, pareil, c'est une atrocité, on ne veut pas. Non, il ne faut pas manger ça, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Hop. Avant de lancer la série, on va quand même goûter. Bon, ça par contre, c'était très bon, j'ai goûté déjà. Pourquoi je souffle? Ok, ils sont excellents. Ils sont excellentissimes. C'est exactement ce que je voulais ce soir. Ce que j'aime bien, c'est que les sushis ils sont bien frais. Il y a plein de petits croustilles là que j'aime bien. Et l'avocat, pareil, il est hyper frais, il est hyper mûr. Genre, c'est pas le vieux avocat des fois qu'on retrouve et tout, franchement. Bon, j'ai clairement tout fini, c'était délicieux. Vraiment, très 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 délicieux. Je finis bien la journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la première que j'ai faite sur je mange un petit peu tout ce que je veux. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, de ce type, bah dites-moi en commentaire. Mets un pouce bleu si ça t'a plu et abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Qu'est-ce que tu attends? Enfin bref, je te souhaite une bonne semaine. On se retrouve mercredi prochain, comme d'hab, à 18h pour une nouvelle vidéo. Bye! It's my life.